Bonjour ou bonsoir à vous toutes et à vous tous, nous sommes le vendredi 8 janvier 2016, vous êtes sur 01net TV et c'est le troisième jour, la troisième émission depuis le CES de Las Vegas, depuis le stand de la Poste. On est ravis de vous retrouver, bienvenue chez nous, Jérôme, bonsoir. Bon, ça fait drôle de dire bonsoir à 11h du matin, mais néanmoins, bonsoir. Et oui, parce que chez vous il est 20h les amis, c'est ça. C'est ça qui est bien. Moi, je veux travailler tout le temps, toute l'année ici. C'est vrai. Hein, je suis d'accord. Ouais. Alors, au début, on a les yeux un peu, comment dire, un peu fatigués. Ouais, et là, maintenant, on commence à s'habituer, en fait. Bon, nous sommes partis pour une heure consacrée au CES. Vous pouvez interagir. Vos questions sur Twitter, hashtag 01live. Et François, aujourd'hui, je te propose de parler de maisons connectées. C'est pas mal. De télévision, parce que c'est quand même un grand classique incontournable. Ah, il y a plein de choses à raconter. De réalité virtuelle. En plus. De vidéos 360 degrés et d'objets connectés. Ça te va ? Vidéo 360 degrés, c'est chaud hein, quand même. Hein. Enfin, non, c'était une petite blague. Tu as dit hashtag 01live hein, oui. Sur Twitter, ouais, si vous voulez poser vos questions à nos invités. Soyez les bienvenus. Et on va commencer par un plateau de choix sur ce plateau, donc ici à La Poste, sur le stand de La Poste, avec deux acteurs, on va dire, importants dans le domaine de la télévision et d'une manière générale, dans le domaine de l'audio et de la vidéo. À ma gauche, j'ai Stéphane Côte. Bonjour Stéphane. Bonjour François. Qui est vice-président de Samsung France pour tout ce qui touche en fait à, on va dire, à la télévision, à l'EGP comme on voilà, dit. La télévision et l'électroménager pour faire simple. Voilà. Et à ta droite, mon cher Jérôme, c'est Patrick Poncé que nous avons. Bonjour Patrick. Bonjour François. De Patrick. Sony. De Sony. Ouais. Voilà, chef produit télé. Hein. Effectivement. Parlez très près du micro, attention. Oui. Pour effectivement, vous excusez-moi. Voilà. Alors deux messieurs. Minutes. Voilà, plein de choses à raconter concernant ces deux marques mythiques hein, qui sont présentes en force ici au CES de Las Vegas, Jérôme. Qui ont fait de grosses annonces. Oui, bien sûr. On va parler de télévision, bien sûr, on va parler de son haute résolution chez Sony notamment. Et d'objets connectés pour commencer, Stéphane, puisque Samsung a comme stratégie de se lancer véritablement dans les objets connectés, avec notamment une plateforme. C'est ça qui va permettre à tous les objets connectés de discuter entre eux. Alors effectivement, on se lance très fortement sur les objets connectés et la stratégie de la marque est très simple. C'est qu'on pense que pour que ces objets puissent fonctionner, il faut qu'ils puissent communiquer simplement entre eux. Et pour qu'ils puissent communiquer entre eux, il faut tout simplement une plateforme qu'on appelle SmartThings. Et c'est une plateforme ouverte à l'ensemble de nos confrères. On a aujourd'hui déjà beaucoup de nos concurrents qui nous ont rejoints. Hier, récemment, Microsoft annonçait son partenariat avec nous sur SmartThings. Alors Stéphane, qu'on comprenne bien, on parle de quel type d'objets connectés ? On parle de tous les produits connectés. Ça peut aller de l'électroménager, la télévision, mais ça peut être aussi l'automobile, ça peut être l'éclairage. Encore une fois, notre vision, c'est de proposer une plateforme qui soit cross-industry et qui soit tout produit, qu'il soit Samsung ou de la concurrence. Parce qu'on voit bien que c'est une tendance forte, la maison connectée d'une manière générale. Et on peut penser que demain, il n'y aura pas une prise électrique, pas un interrupteur, pas un visiophone, pas un réfrigérateur, pas une enceinte qui ne sera pas dans le réseau. Exactement. Et tout l'enjeu de tous ces produits, c'est qu'ils puissent communiquer facilement entre eux et également, grâce à cette communication, que le client final puisse créer des scénarios qui vont animer ces produits connectés. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, très bien, Samsung, acteur de poids, va proposer une sorte de langage hein, pour permettre à tous ces appareils de communiquer ensemble. Ça veut dire quoi ? Que les appareils, ça ne concernera que les appareils de marque Samsung ? Non, non, encore une fois, notre vision, c'est que cette plateforme, ce langage, est ouvert à Samsung, bien sûr, mais à l'ensemble de nos concurrents. S'ils le souhaitent, ils peuvent nous rejoindre. Et on a déjà aujourd'hui 200 produits concurrents qui nous ont rejoints dans cette plateforme, dans l'électroménager, encore une fois, mais dans d'autres industries comme l'automobile, l'éclairage. Ça veut dire que, Stéphane, demain, Sony sort des objets connectés. S'ils adhèrent à votre plateforme, ils pourront fonctionner. Exactement. D'accord. Si aujourd'hui Sony souhaite intégrer le consortium SmartThings. Mais si Sony veut pas et veut conserver son propre système ou on choisit un autre, là ça va être un petit peu plus compliqué. C'est son choix. Nous on est convaincus encore une fois que l'Internet des objets sera une réalité à partir du moment où on est sur une plateforme unique, ouverte, permettant à tous ces produits de communiquer entre eux. Quels sont justement les objets connectés que vous avez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a des télévisions connectées, on a de l'audio connecté, on a maintenant de l'électroménager connecté. Mais la grande nouveauté déployée sur ce salon, c'est qu'on est persuadé que le centre de contrôle de ces produits connectés, c'est évidemment son téléphone, hein, son mobile, sa tablette. Mais demain, dès le mois de mars-avril, sur le marché français, la télévision et le réfrigérateur pourra également être le centre de contrôle de ces produits connectés. Bon, ah oui. Chez François, le réfrigérateur est déjà le centre, hein, de toute manière. Le centre de sa vie, d'une manière générale. Je croyais que tu allais dire le centre de mon ventre. Là, ça m'aurait pas plu. Tiens, on le voit d'ailleurs, ce réfrigérateur connecté Samsung, avec cet immense écran.
Voilà. Qui fonctionne sous Tizen, hein, votre système d'exploitation propriétaire. Tout à fait. Voilà. Et compatible SmartThings, évidemment. Voilà. Et on peut faire plein de choses. On peut faire ses courses sur le frigo. Ça, c'est pratique. Tu te rends compte que tu n'as plus d'eau minérale ou de lait. Paf, clic, clic. On commande et on est livré directement. Il y a des caméras à l'intérieur du frigo aussi. Hein, on en parlait il y a quelques jours de cela. Il y a des caméras et en fait, ces caméras vous permettent de prendre une... À chaque fois qu'on ouvre le frigo, on va prendre une photo de son réfrigérateur. Alors pourquoi prendre une photo de son réfrigérateur? Tout simplement parce qu'on va C'est ce qu'on appelle le selfie frigo. on va d'abord surtout pouvoir regarder si quand on ferme la porte, la lumière est toujours éteinte ou allumée. Ça va répondre à une grande question philosophique. Ah oui. Ça va bouleverser notre existence. On va pouvoir faire du food management. Ouais. Et pour un cas très concret, je fais mes courses chez mon petit épicier préféré, je ne sais plus ce que j'ai dans mon frigo. Hop, j'appelle mon réfrigérateur. Je prends mon téléphone, je prends une photo, je sais exactement ce que j'ai dans mon frigo et donc je peux compléter la liste des courses. Très bien. Génial. Parfait. On a une petite question. On peut mettre la date de péremption, etc. Ça, c'est un peu compliqué encore. Hein, on a encore des progrès à faire, mais on a déjà beaucoup simplifié le sujet. Et on peut évidemment, grâce à cet écran, contrôler mes produits connectés, bien sûr, les allumer, mais aussi créer des scénarios. D'accord, de connexion et on peut avoir accès à tout mon contenu audio et vidéo et télé, donc regarder ses recettes de cuisine mais aussi ses émissions préférées directement sur son frigo dans sa cuisine. Est-ce que ce système, c'est une question qu'on a sur Twitter, est open source et libre? Je le répète, ce système est open source et libre. Il l'a dit. Voilà, c'est tout notre objectif. Hein. Si on veut faire de l'Internet des objets une réalité, on doit proposer une plateforme ouverte et cross-industrie. Et est-ce que mes données vont être envoyées dans le réseau et tout le monde va savoir ce qu'il y a dans mon réfrigérateur? Absolument pas. Ça serait quand même un scoop, hein, de savoir ce qu'il y a dedans. Mais soyons très clairs, la notion de sécurité... Je suis assez déçu, hein, ce qui me concerne. La notion de sécurité est un point très, très essentiel. Et je ne rentrerai pas dans le détail, mais dans tous ces produits connectables aujourd'hui, on a renforcé tous les protocoles de sécurité via l'intelligence hardware, mais software, où on va stocker toutes nos informations dans différentes localisations du produit pour justement répondre à ces problèmes de sécurité. Il faudra un antivirus et un firewall sur le frigo? Aujourd'hui, encore une fois, on n'ira pas dans le détail, mais on a tout ce qu'il faut. mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Il faut tout mettre à jour. Hein. Bien sûr. Bientôt, on mettra ses chaussures à jour, parce qu'elles seront connectées. Ben, c'est comme ça, il faut s'y faire. Stéphane, on va revenir sur les télés dans un instant. Peut-être enchaîner avec Sony. Hein. Ouais. Merci d'être avec nous, Patrick. Merci, François. Bon, alors, évidemment, beaucoup de nouveautés chez Sony. On va parler de son haute résolution dans un instant. Le gros morceau, c'est la télé, toujours chez Sony pour cette année? Le gros morceau, effectivement, c'est la télévision, en plus de l'audio high-res, l'audio haute définition, on va en parler après. Au niveau de la télévision, deux grands axes se détachent aujourd'hui dans les annonces que l'on a fait au CES cette année. La première, c'est la qualité d'image, qui reste toujours la priorité de Sony, c'est d'apporter l'image la plus naturelle possible. Donc avec une nouvelle gamme de télévision qui va sortir en 2016, toujours plus fine, avec un niveau de luminosité, de contraste amélioré. C'est un petit peu ce que l'on voit, ce qui sort sur les nouveautés 2016. La nouvelle génération de télévision intègre des nouveaux standards qui permettent d'atteindre un niveau de luminosité, de contraste beaucoup plus élevé pour avoir des images encore plus naturelles, encore plus proches de ce que l'on voit aujourd'hui dans la nature et ce que nos yeux ont l'habitude de voir. C'est ce qu'on appelle le fameux HDR qu'on voit maintenant sur tous les téléviseurs. Effectivement, pour High Dynamic Range, qui veut dire plage étendue de dynamique, c'est-à-dire contraste et luminosité plus importante. Et donc ça concerne ces multimarques. Hein, Mais vous savez les amis qu'on n'y comprend rien avec le HDR en fait. Quand on voit ce logo HDR à côté des télés, on se demande à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors qui commence? Je pense qu'on a déjà un petit peu répondu. L'objectif du HDR, c'est de proposer à la fois le meilleur contraste et la meilleure luminosité en même temps. L'objectif... C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas le cas? Avant, aujourd'hui... Non, aujourd'hui, on avait des limites. Quand on voulait dans une même image, mélanger le meilleur du contraste et le meilleur de la luminosité. L'objectif chez Samsung à travers le HDR, c'est de reproduire l'expérience cinéma à la maison. Mais la grande différence entre le cinéma et la maison, c'est que vous n'êtes pas dans le noir. Vous avez beaucoup de lumière, vous avez parfois des reflets. Et toute l'innovation aujourd'hui dans les télés qui seront déployées en 2016 à travers le SUHD, c'est justement de reproduire cette expérience cinéma à la maison. Et c'est le résultat d'une collaboration avec les grandes majors américaines depuis maintenant deux ans. Si vous me permettez, pour faire court, c'est-à-dire que c'est la nouvelle étape en matière de standards de qualité pour les téléviseurs. Et donc en fait, quand on va dans un magasin, on regarde est-ce qu'il est HDR, est-ce qu'il n'est pas HDR. Ça va être ça l'idée? Exactement. Ouais. C'est pas du marketing, c'est pas que du marketing, ça apporte véritablement un petit peu quand même un plus
pour la personne qui va acheter une télé HDR. C'est non seulement un bonus, mais en mars 2016, on va avoir de plus en plus de contenus qui vont maintenant arriver avec le Blu-ray ultra haute définition, des Blu-ray qui seront justement compatibles HDR et qui vont nous permettre de reproduire cette expérience cinéma à la maison. Un mot sur le lecteur Blu-ray. Samsung, il arrive quand en France et à quel prix, Stéphane? Alors, le prix n'est pas encore complètement défini, mais on peut imaginer ça entre aux alentours de 500 euros. Et il arrivera en avril. On a Patrick, une question. Alors juste... Pour Sony, pas d'annonce sur les lecteurs Blu-ray Ultra HD, donc à nouvelle définition. On aura certainement des produits courants 2016, mais pas de produits encore annoncés pour ce début d'année. D'accord. Bon. On va attendre. Effectivement, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, parce qu'on attend qu'au niveau des majors aussi, les services soient prêts, les contenus soient prêts. Par contre, on a fait une annonce assez importante au CES en début de semaine. C'est un nouveau service qui va s'appeler Ultra, qui va permettre de regrouper en streaming tout l'ensemble du contenu 4K Sony et des autres majors du cinéma, des principales majors avec qui on a passé des accords, et de proposer ça directement en streaming sous les téléviseurs Sony auprès des consommateurs, dans un premier temps sur le marché américain, et certainement en Europe, un peu plus tard, sûrement sur la fin d'année ou la courant l'année prochaine. Donc vous misez là pour sur le streaming, en fait, sur la VOD 4K, hein, pas forcément sur le lecteur Blu-ray Ultra HD, mais il y en aura quand même un chez Sony. Oui, il y aura les deux, parce que les deux sont complémentaires. D'accord. Comme c'est le cas aujourd'hui avec le Blu-ray ou le DVD, certains consommateurs préfèrent acheter le disque pour le conserver et avoir une excellente qualité de son, qualité d'image. D'autres consommateurs préfèrent, eux, récupérer simplement, louer un film ou le récupérer directement sans support physique, pour des questions d'encombrement, pour des questions de stockage ou autre. Et dans ces cas-là, ils ont la possibilité de cette plateforme de streaming qui va regrouper l'ensemble des contenus 4K du marché directement depuis son téléviseur, sans devoir aller faire des courses à l'extérieur. En appuyant sur un bouton, directement, je pourrai accéder à mon contenu 4K. Question sur Twitter de Léo, qui est une question très intéressante. Je pense que c'est un petit peu la question qui fâche même. Samsung et Sony vont-ils faire de l'OLED? Donc l'OLED, qui est technologie d'écran, qu'on voit chez votre principal concurrent LG. C'est magnifique, il faut bien l'avouer. Et pourtant, ce n'est pas la technologie que vous avez choisie, ni l'un ni l'autre. Alors, est-ce que vous vous y mettrez un jour quand même ou pas? Alors, si je peux me permettre, hein, pour répondre, la technologie OLED, c'est une technologie sur laquelle Samsung investit et fabrique au quotidien, puisque vous le savez, on a des téléphones avec de l'OLED aujourd'hui, on vend des tablettes avec de l'OLED. Depuis de nombreuses années, d'ailleurs. Et on présente d'ailleurs sur le salon des écrans OLED transparents. La position de Samsung aujourd'hui, sur l'OLED appliqué à la télévision, c'est que on les belles voit les écrans transparents là, c'est assez magique. Oui, alors c'est là on est sur des écrans OLED et transparents, donc vous avez. C'est un écran ça. C'est on un écran, un veut, écran qui va arriver en avril sur le marché français pour une application professionnelle. Ouais. Donc nous aujourd'hui la position du groupe Samsung, c'est que pour garantir la meilleure qualité d'image, il nous faut du noir, des contrastes et une richesse de couleurs. Et aujourd'hui la technologie OLED n'est pas suffisamment mature pour justement bien gérer ces trois éléments de la qualité d'image dans l'environnement de la télévision. C'est le point de vue de Samsung. Après, c'est querelle d'experts, etc. Et non, mais quand on prend votre concurrent LG, eux, pour eux, c'est quelque chose qui est acté, qui fonctionne, qui est disponible, et qui est, voilà. Donc après, c'est une stratégie différente en termes d'industrialisation d'une technologie. C'est une perception qu'on a, nous, de la technologie, d'accord, comme quoi elle n'est pas encore suffisamment mature pour l'appliquer à la télévision. Mais est-ce qu'un jour, il y aura des grandes télé OLED chez Samsung? Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il y aura des grandes télé OLED. Par contre, la grande télé, c'est quelque chose qui nous préoccupe, puisqu'on pense que les clients vont de plus en plus avoir besoin de très grands écrans. Et on montre sur le salon ce qu'on appelle une télévision modulaire. Donc là, on est sur un concept complètement nouveau, où finalement, le client final va pouvoir décider de la taille qu'il souhaite, puisque c'est un ensemble de Lego. Donc c'est des petits écrans qu'on va assembler les uns aux autres. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on ne voit plus la jonction de ces écrans. Donc, alors regardez, on voit les images de Jean-David et Florian. C'est extraordinaire. Donc là, il y a une animation pour qu'on se rende bien compte de ce dont il s'agit. Ça, c'est toi qui danse, hein, Jérôme, d'ailleurs. C'est moi qui danse, exactement. Voilà. C'est-à-dire que chaque petite dalle carrée est un bout d'écran. On les assemble pour créer des images de n'importe quelle taille, des images pleines ou des images scindées. Et c'est vrai qu'on ne voit même pas la différence entre les dalles. Et ça, c'est exactement magique. Et juste à côté de cette démonstration, il y avait une démonstration d'un 170 pouces qui est justement composé de ce multitude de petits écrans. Et on ne voit quasiment plus la jonction des écrans. Mais ça veut dire quoi? Ça sert à quoi, Stéphane Cotte? Ça veut dire que demain, on pourrait imaginer avoir un mur entier chez soi d'images composé de petits écrans. On achètera de la télé exactement, comme du carrelage, quoi. En fonction de son budget. Ça. Ou le parquet. Oui, ou du parquet, en fonction de son... Mettez-moi un mètre carré, aujourd'hui, mètres carrés, sur la télévision, quand on veut des très grands écrans, on est limité par aussi la capacité de notre outil industriel. Là, avec cette technologie, on repousse cette limite industrielle. Et soyons pragmatiques, un très très grand écran, comment on le transporte, comment on l'installe chez son client. Avec cette solution-là, on a des logiques d'installation, d'accord, et de transport. L'écran en kit, l'écran de télé en kit.
On préfère dire la télévision modulaire. Oui. Bon, ça ne vous plaît pas, on quitte. Non, mais c'est génial. Pas... Patrick, on n'a pas écouté. Voilà, concernant chez Sony, l'OLED est aussi une réalité, puisqu'on a une gamme de produits OLED aujourd'hui réservée au B2B, au broadcast, aux professionnels. Donc aujourd'hui, la référence au niveau du professionnel de l'image, ça reste un écran Sony en termes de régulation pour définir et faire tout ce qui est définition du contraste et des colorimétries dans la post-production au niveau du monde de la télévision. Mais alors pourquoi ça n'arrive pas pour le grand public ? On fabrique des écrans OLED aussi réservés aujourd'hui au monde du broadcast parce qu'avec une technologie différente qui est proposée aujourd'hui par les acteurs du grand public pour la télévision, avec une technologie qui est beaucoup plus précise au niveau des couleurs et beaucoup plus précise au niveau du contraste. Aujourd'hui, on reste dans un positionnement similaire à celui de Samsung, où on estime que la télévision OLED, ou en tout cas les écrans OLED, sont matures pour certains marchés, mais aujourd'hui pas encore matures au niveau de la télévision, notamment avec un problème, comme on l'a évoqué, de degré de luminosité. Mmh. Aujourd'hui, les écrans OLED sont très performants quand on regarde la télévision dans une pièce sombre, dans le noir. Par contre, une pièce extrêmement éclairée dans un salon, ça ne porte pas forcément aujourd'hui une qualité d'image suffisante, en tout cas qu'on estime nous suffisante pour pouvoir proposer des écrans au niveau du grand public. Donc aujourd'hui, on réserve les écrans OLED pour d'autres marchés. Peut-être que ça viendra un jour sur la télévision avec d'autres technologies, mais aujourd'hui, on estime que c'est encore des domaines ou du smartphone ou du broadcast qui sont, je dirais, utiles pour cette technologie. Luminosité et d'ailleurs également un peu fluidité. On pense également que cette technologie n'est pas suffisamment mature pour proposer au client final une fluidité parfaite, et notamment dans des images sportives, de football ou autre élément. Jérôme, alors moi j'avais une petite question concernant l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les télés que vous vendez sont ultra haute définition, 4K, ou est-ce qu'il reste encore des télés, on va dire, full HD? Comment ça se passe? Non, bien sûr. Sur votre gamme, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, la majeure partie de nos produits sont UHD. Hein. Le segment de l'UHD se développe énormément. Il finit la fin d'année à peu près en représentant 45% de la valeur du marché. On estime que l'année prochaine, on devrait dépasser allègrement les 65-70%. Donc c'est une technologie qui se pénètre sur le marché français très très vite. Mais oui, on a encore sur des petits écrans de la technologie Full HD. Avec des baisses de prix encore? Des écrans ultra haute définition? Je pense que plutôt que des baisses de prix, on va apporter beaucoup plus d'innovation en termes de qualité d'image, comme on en parlait tout à l'heure, de connectivité avec l'Internet des objets, plus que de la baisse de prix. Très bien. Chez Sony aussi, on conserve une gamme d'écrans Full HD et en plus de la gamme 4K. Mais effectivement, les trois quarts de la gamme l'année prochaine seront des écrans ultra haute définition pour apporter ce petit plus en termes de qualité d'image. Une autre innovation aussi qu'on a commencé à apporter en 2015 et on va continuer en 2016, c'est Android TV, la nouvelle plateforme Google qu'on intègre directement dans nos téléviseurs, justement pour faire un lien très simple avec son smartphone, sa montre connectée, les différents objets connectés qu'on a à la maison, de pouvoir retrouver tout ça sur une même plateforme, qui est une plateforme Android, qui permet du coup de faire de façon sans aucun paramétrage le lien complet entre ces images, ces vidéos, sur n'importe quel device qui se trouve, les retrouver sur la télévision. La télévision devient un smartphone géant en son salon. On va retrouver ses applications préférées, ses services préférés pour envoyer ses flux vidéo en streaming avec la fonctionnalité Google Cast qu'on a aujourd'hui sur les smartphones ou les tablettes directement intégrées sur le téléviseur. Stéphane, pas d'Android TV chez Samsung? Non, pas d'Android TV. Nous, on pense encore une fois qu'il faut essayer de s'affranchir de ces problématiques de technologie. Donc c'est pour ça qu'on faisait d'ailleurs une démonstration sur le stand où dorénavant, nos mobiles, nos tablettes, qu'elles soient Windows Phone, Android, ou iOS, pourront communiquer directement sur nos téléviseurs. D'accord. Et ça implique que vous développiez des applications maison pour Tizen qui tournent sur vos télés, en fait. Qui tournent sur nos télés, voilà. Qui tournent sur nos wearables et qui tournent également sur notre électroménager. Alors qu'avec Android, évidemment, on a énormément d'applications qui sont d'ores et déjà disponibles parce que c'est un système un peu universel. Oui, en sachant que les applications aujourd'hui qui sont disponibles, elles ont en grande partie une vocation de mobilité et pas de vocation télévision. Très bien. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Stéphane Cotte de Samsung, Patrick Moncet de Sony. Juste un mot sur l'iRes. Tu sais, le son iRes, oui, Jérôme, le son. Parce que c'est quand même hyper important. C'est l'une des stratégies intéressantes chez Sony. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est le son iRes, parce qu'on a des petites questions quand même à vous poser avec Jérôme. D'accord. Sur ce sujet. Alors l'iRes, c'est assez simple. On voit depuis quelques années une évolution au niveau de la télévision avec l'ultra haute définition qui arrive, les consommateurs qui veulent des images de plus en plus belles avec des écrans de plus en plus grands. C'est la réponse aujourd'hui apportée par les constructeurs, c'est l'ultra haute définition. C'est un petit peu la même chose, le pendant au niveau de l'audio. Aujourd'hui, depuis maintenant 10-15 ans, les consommateurs se sont habitués au MP3, avec l'avantage de la flexibilité de pouvoir emporter sa musique partout. Par contre, de plus en plus de consommateurs reviennent sur la qualité de son et aujourd'hui sont un petit peu gênés par la qualité du MP3 qui n'est pas forcément toujours là et qui ne permet pas forcément d'avoir tout le plaisir qu'on pourrait attendre en écoutant ces morceaux de musique. Donc depuis quelques années, on arrive avec une gamme de produits que l'on baptise iRes Audio, donc
résolution haute définition pour l'audio, avec des produits estampillés sur ce label-là. C'est révolutionnaire ce truc avec un bras là. Ouais, c'est révolutionnaire, c'est effectivement. C'est bizarre, il y a comme une pizza dessus. Vous allez voir qu'on en entend beaucoup parler. Mais qu'est-ce que c'est? On entend beaucoup parler depuis le début de la semaine, puisque c'est le premier lecteur de disque vinyle qui a une sortie ARS Audio, qui a une sortie qu'on appelle DSD pour les connaisseurs en termes de connaissances. Entre guillemets, c'est une platine vinyle qui permet de numériser toute sa bibliothèque de disques vinyle et de la récupérer dans la meilleure qualité audio aujourd'hui qui existe en format avec fichier numérique. Sans crachouillis. Avec les crachouillis, c'est ça qui fait le charme, c'est qu'on va pour la première fois récupérer des fichiers numériques, tous les petits grésillements, tous les petits craquements que certains audiophiles ont le plaisir d'écouter dans leur salon, de pouvoir les récupérer et les récupérer. À votre avis, avec il y a des gens eux, qui prennent du plaisir à entendre des crachouillis. Il paraît. Aujourd'hui, oui. Clairement, et on voit que le marché du vinyle, c'est un marché qui revient en croissance. Il y en a qui aiment se faire marcher dessus aussi. Hein. Oui, c'est vrai. On ne va pas entrer dans les détails. Non. On n'est pas là pour... C'est un marché à nouveau en croissance et qui a eu une croissance cette année de plus de 30%. Donc un marché qui est vraiment en forte croissance depuis 2-3 ans. Ça reste un marché de niche, j'imagine. Ça reste un marché de niche. Avec une patine vinyle à la maison. Effectivement, ça reste un marché de niche, mais on voit que certains audiophiles reviennent dans sur ce segment du vinyle à ce niveau-là. La cassette, pas encore. On va y réfléchir. Patrick, bon, c'est un mot quand même sur le son iRes. Franchement, est-ce que c'est pas un peu du marketing tout ça? Parce que finalement, aujourd'hui, on prend un casque audio de bonne qualité qui n'est pas iRes. Est-ce que franchement, Jérôme ou moi, bon Jérôme commence à être un peu sourd, admettons moi, on va sentir la différence entre un son d'un casque iRes, d'un son d'un casque traditionnel, franchement. Alors, c'est un petit peu comme la télévision, c'est que pour vraiment entendre une différence, il faut que toute la chaîne soit iRes. Donc la meilleure expérience, je vous invite à venir sur notre stand pour faire un petit essai sur différents Walkman et différents casques que l'on a iRes et classique. Mais réellement, oui, je vous promets, si on a une chaîne iRes, c'est-à-dire si on a de la musique en iRes, ou bien via des sites de streaming ou qu'on a numérisé, installé sur un Walkman ou un smartphone compatible iRes, Sony en propose, mais d'autres marques aussi, et avec un casque iRes, vous voyez vraiment la différence. Vous allez avoir une qualité d'écoute à la fois au niveau des graves et des aigus, qu'aujourd'hui, qu'on ne retrouve pas sur un casque classique. À quel prix? Je ne dis pas que seuls les casques Sony iRes sont performants, effectivement, mais c'est un label de qualité qui permet effectivement de s'assurer que si chacun des éléments a ce logo-là, c'est un peu comme le HDR pour la télé, quoi. C'est un petit peu comme le HDR sur la télévision, où effectivement, un logo de qualité qui va permettre de se rassurer qu'on ne va pas perdre en qualité dans la chaîne et que tous les produits permettront d'obtenir. Et à quel prix ça démarre? À quel prix pour aujourd'hui, un lecteur plus un casque, par exemple? Alors aujourd'hui, en casque iRes, on va commencer autour des 250€ pour un casque Bluetooth iRes. Au niveau des baladeurs, on va avoir des premiers produits qui vont commencer dans les 200€. Quand vous dites Bluetooth iRes, c'est incompatible, mais malgré tout, ça marchera avec un protocole quand on dit Bluetooth iRes, c'est parce qu'en fait, bon, tous nos casques Bluetooth sont aussi filaires et on a une technologie Sony qui est ouverte, qui s'appelle le LDAC, qui permet sur une transmission Bluetooth d'utiliser trois fois plus de bande passante pour justement ne pas perdre en compression et conserver une qualité audio haute définition, même en sans fil, entre le casque et le baladeur ou le casque et le smartphone. Stéphane Cotte, le son iRes chez Samsung, ça existe? Non, aujourd'hui, chez Samsung, on se focalise donc pas sur le petit audio, donc sur l'home cinéma, également le multi-room. Donc on a créé un labo américain pour repenser toute l'acoustique de nos produits. Les premiers produits issus de ce laboratoire sont en train d'arriver sur le marché français. Donc c'est aujourd'hui la priorité. L'ARS peut-être l'année prochaine, mais pas cette année en tout cas. Très bien. Et bien voilà, maintenant on peut remercier nos invités. Merci, merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Stéphane Cotte, vice-président de GP Samsung France. Et merci Patrick Moncet, chef produit TV. Merci d'être passé. Merci à vous. Ici sur le studio, sur le plateau de 01net TV, au stand de la Poste. L'un de vous va céder sa place à Jean-Sébastien Zanqui. Ou même tous les deux, parce que je crois que vous avez des obligations et des rendez-vous. C'est pas grave, on est en direct les amis. Allez-y messieurs, Jean-Sébastien Zanqui va arriver pour s'il tombe pas par terre. La figure, là, pour parce que vous savez qu'en fait on a mis des petits pièges. Est-ce que tu as vu comme ça bouge? Oui, c'est vrai. Moi je suis sur un bateau. Mais c'est peut-être parce que ça fait un peu sable mouvant. On dirait qu'on danse tous les deux. C'est-à-dire que l'épaisseur de la moquette, Las Vegas. On va faire comme ça. Non, après arrête, on va être malade. Ouais. Tiens, en parlant d'être malade, tout à l'heure on va parler de vidéo 360. Et on a une petite info à vous donner. Si vous êtes abonné YouTube sur 01net TV, il y a un petit truc assez sympa qu'on vous réserve à l'heure. Il faut le dire, non? Bon, on en parle tout à l'heure, non? On le dira tout à l'heure. Ok. Comme tu veux. Bon, alors on en parle maintenant. Allez, on en parle maintenant. Vas-y, balance tout. Ben oui, vous allez sur 01net TV, vous verrez que nous avons expérimenté la vidéo 360. On a tourné en réalité deux vidéos avec une caméra 360. Vous savez, c'est ce qui permet donc de vraiment de naviguer à l'intérieur de l'image. Donc c'est impressionnant. Alors là, on voit Jérôme faire du ski. Non, alors ça c'est pas notre vidéo à nous.
Hein. Mais nous, on a fait une vidéo sur le stand de Giroptique, qui est un fabricant français de caméras. Et qu'on recevra demain d'ailleurs. On recevra le fondateur de Giroptique demain, ici même. Et puis, vous le savez, hier, nous recevions ici même le ministre de l'économie et des finances, Emmanuel Macron. Eh bien, il y avait, en plus des caméras qui vous ont permis de suivre ce live, une caméra Giroptique au milieu du plateau. Et donc, vous pouvez revoir la séquence avec le ministre et naviguer. Et vous verrez qu'il y avait plein de monde autour. Il y avait les techniciens qui s'affairaient, le staff du ministre, etc., que vous ne voyiez pas, évidemment, à l'image en live. Ça permet de découvrir un peu les coulisses. C'est très sympa. Voilà. Alors, ça marche si on a un masque 360, le Gear VR, justement, de Samsung. Hein, Stéphane Cotte était là tout à l'heure avec nous. Mais aussi avec les cardboard, vous savez, ces masques en carton. Ça marche aussi, même sur les smartphones, avec l'appli YouTube. Vous allez pouvoir vous balader en glissant votre doigt sur l'écran. C'est assez drôle. Même et donc, ça ne marche que sur YouTube. Hein. Attention. Alors, sur YouTube, ça marche aussi sur ordinateur. À ce moment-là, on utilise la souris pour naviguer dans la vidéo. Mais uniquement avec le navigateur Chrome, Internet Explorer et Firefox, mais pas Safari. Ouais, Netscape, ça marche avec Netscape ou pas ? Netscape, non. Mais si tu peux utiliser Netscape avec ta platine vinyle. Netscape, ils sont plus dans le coup, hein, finalement. Je m'en suis rendu compte ces dernières années, depuis que j'ai voulu installer Flash Player dessus. Bon, et puis tout à l'heure, on parle de réalité virtuelle et de vidéo 360, on y reviendra. Jean-Sébastien Zanqui est là. Bonjour. Bonjour. Ça va, Jean-Sébastien Zanqui ? Très bien. Non, je dis ça va parce que c'est vrai que de jour en jour, on s'enfonce, c'est ça. Comme disait Jérôme, dans la moquette de ce studio. On commence à être un peu fatigué, mais on est ravis d'être là, franchement. Oui. Et on a bien clairement, de la chance. Clairement. Jean-Sébastien, ta journée d'hier, comment ça s'est passé ? Bah, très bien, j'ai un peu fait le tour des technos justement qui arrivent. On a beaucoup parlé des choses qui allaient être commercialisées là assez rapidement. Ce que j'ai vu hier, ce sont des technos qui sont encore un peu à l'essai ou qui vont promettre des choses assez sympas. Et pas dans un futur très, très lointain, c'est des choses qui peuvent arriver cette année, en fin d'année. J'ai commencé par l'auto. Du côté de l'auto, c'est intéressant. Hier, justement, on parlait de Qualcomm et du Snapdragon 820, ce nouveau processeur qu'on va retrouver dans plein de smartphones. Il adore les Qualcomm et les Snapdragon, oui. Hein, Jean-Sébastien. Bah, ça fait pas longtemps qu'il est là sur 01net, mais souvent dit, t'as vu le nouveau Qualcomm, t'as vu le nouveau Snapdragon. Alors moi, je lui dis, ouais, ça a l'air bien, hein, franchement, mais il aime beaucoup ça. Non, mais c'est bien. Non, mais je teste beaucoup de smartphones et il faut dire que cette plateforme-là est une plateforme utilisée dans beaucoup de modèles. Il aime d'autres trucs normaux, hein, quand même. Jean-Sébastien est tout à fait normal. Hein. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise est spécialisée vraiment dans les smartphones, a priori, et ils vont faire une version déclinée pour l'auto du Snapdragon 820, c'est-à-dire que c'est une version qui va permettre de faire tourner tout le système d'infotainment, comme ils appellent ça. Donc, C'est ça. Et ça permet, la démo est assez impressionnante parce que le processeur, comme vous voyez là, fait tourner 4 écrans en même temps. C'est-à-dire, il y a une console centrale qui est 4K. On dirait la voiture de Jérôme. Ah oui. Quand il s'est perdu sur la route. Non mais c'est exactement ça. Je comprends pourquoi il se perd. Oui, ça a Donc vous avez ces deux écrans-là qui sont les écrans qu'on met derrière normalement pour les passages arrière où on peut mettre des films. Non mais vraiment, tu mets ta voiture en plus. Un smartphone classique qu'on peut connecter effectivement. La console centrale qui est 4K. Et puis cet écran... HD, qui est un tableau de bord. Bienvenue dans la boîte de nuit voiture, mesdames, messieurs. Attention. Non, mais c'est la voiture de David Guetta, ça. C'est pas possible. On peut mettre de la musique, évidemment. Il peut remixer et tout, là. Ouais, incroyable. J'espère que c'est plus la peine de tenir le volant, là, parce que tu es tellement occupé. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est surtout pas perturbant quand tu conduis, tu vois. T'es pas du tout sollicité par les écrans dans tous les sens. Non, pas du tout. Ça, c'est bien. C'est pratique. Bon. Mais c'est juste parenthèse, c'est rigolo parce que Snapdragon dans la voiture, il y a Nvidia aussi qui a annoncé qu'il allait dans la voiture. Exactement, en fait toutes les grandes marques d'électronique sont en train de vouloir mettre un pied dans le marché de la voiture parce que c'est prometteur, on attend beaucoup de choses de ces voitures connectées. Et Snapdragon justement, on parle de voitures connectées, enfin Qualcomm en tout cas, a toutes ces technologies 4G, Bluetooth, Wi-Fi qui sont intégrées dans ses processeurs sur les smartphones et donc sur les voitures. Et il semble bien que le nouveau marché après les smartphones, c'est l'automobile. Exactement. Bien évidemment. Qu'est-ce que tu as d'autre pour nous ? Un écran transparent Samsung peut-être ? Alors oui, ça aussi sur le stand Samsung, assez impressionnant. C'est un écran OLED qui est complètement transparent. Alors on l'a évoqué il y a tout à l'heure, Donc vous voyez, là c'est la dalle OLED. Alors l'astuce c'est d'avoir remplacé les noirs de l'OLED normal pour le contraste par en fait des pixels transparents. Donc quand c'est du noir qui est affiché, là c'est de la transparence. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on peut voir à travers. Alors c'est un modèle qui est encore professionnel, c'est-à-dire qu'il va être proposé en cours d'année pour tout ce qui est, on va dire, magasin, hôtel, des choses comme ça, pour agrémenter, par exemple, passer des messages de promotion, des choses comme ça. Et bien sûr, ça va être assez cher. On m'a dit que c'était environ
deux fois le prix d'un téléviseur OLED actuel. Ah oui. Donc ça va être entre 4000 et 8000 euros. Quoi. Bon, puis, donc, c'est un peu cher pour une vitre. Quoi. Voilà, c'est un peu cher pour une vitre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le premier qu'on voit sur un CES, mais je me souviens de l'année dernière et même peut-être l'année d'avant, il y en avait déjà, mais ça n'avait pas cette transparence. Ouais. Oui, il y avait encore un côté un peu brumeux. Mmh. Exactement, là c'est vraiment presque 100% transparent, c'est assez impressionnant donc, quand on est dedans. On voit vraiment à travers, c'est impressionnant. Et puis c'est intéressant parce que ça va être commercialisé. Alors dans un monde professionnel, mais ça va être commercialisé déjà cette année. On voit pas trop l'intérêt immédiat sur la vie, à part pour des animations commerciales. Voilà, exactement, chez soi, à part voir son mur derrière, bon, c'est pas terrible. Ou alors à la place des vitres. Non, mais attends, mais t'imagines, t'as ta vitre de douche comme ça. C'est sympa, bah, tu te regardes un film en te douchant. Mais il est fou. Par exemple. Non, il se moque de ma voiture, mais lui, il veut un truc transparent. Il se court le film quand même, parce que... Oui, ça douche. Ou alors c'est une longue douche. Voilà. Mais bon, voilà. Par exemple, une petite vidéo de Zero Net TV, ça peut le faire quand même. Hein. Une box domotique. Oui. Alors, il y en a beaucoup ici, hein, Internet des objets, on n'arrête pas d'en parler, et souvent, le souci qu'on peut avoir avec ces box domotiques, c'est comment appairer, relier ces objets connectés de sa maison à cette box. C'est-à-dire, des fois, c'est compliqué, il faut rentrer ses adresses IP, des choses comme ça. Là, c'est une entreprise française qui s'appelle Idomus, qui en fait est venue ici en partenariat avec NXP, qui est une entreprise qui fait du NFC. Et, elle a intégré Fred Potter, ça. Oui. Elle a intégré une puce NFC dans sa box. Non. Donc, il va y avoir des objets connectés du type ampoule, là, comme on va sur la démo. Il suffit de l'approcher directement sur sa box, elle est détectée. Et comme vous le voyez sur l'application qui est reliée à la box, elle va s'afficher directement. Donc tout de suite, elle est reconnue. Ça. Et qu'elle part en pu l'utiliser, voilà, l'allumer après en fonction de l'utilisation à la maison, depuis sa tablette, son smartphone ou son PC. Donc, non mais c'est un vrai problème, les appairages et les trucs. Extasie, c'est exactement le mot. Oui. Qu'il faut employer à Las Vegas en plus. Franchement, c'est parfait. C'est exactement le mot de vocabulaire qu'il fallait. Oui, c'est superbe. Non, mais alors, c'est sorti, ça, déjà? Alors non, mais la box existe déjà. Ouais. Elle coûte 300 euros actuellement. Elle n'a pas encore la puce NFC, mais ça devrait arriver dans l'année également. Donc, c'est vraiment pratique. Et surtout, il y a des objets connectés qui vont aussi arriver avec du NFC. Il n'y en a encore pas beaucoup pour l'instant, mais ça va arriver aussi dans l'année pour que ce soit compatible avec ça. Fred Potter est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Fred Potter, le patron fondateur de NetAtmo. On va parler de toutes les nouveautés que vous avez présentées au CES, mais est-ce que ça vous paraît malin, ces histoires de NFC sur les objets connectés, pour les appairer plus facilement? Ça fait partie des options, pourquoi pas, effectivement, à utiliser. Nous, on a d'autres techniques sans le NFC pour faire des appairements simples. Voilà, c'est réellement un vrai problème pour le... Oui. Pour le consommateur, et donc il faut trouver une vraie solution. D'accord. Donc, tout est bon à prendre. Fred, on parle de ce beau projecteur, on peut le dire, Jérôme. Oui. Projecteur caméra dans un instant. Mais auparavant, dernier petit détour du côté du CES avec Jean-Sébastien, c'est Noto. Alors c'est ça, Noto, c'est une start-up américaine. On n'a pas toujours tous des voitures ultra connectées, ultra intelligentes, comme on a vu, avec des écrans partout. Voilà. Et sur ces anciens modèles de voitures, Noto propose de pouvoir bénéficier d'une sorte de conduite assistée, c'est-à-dire que c'est un petit boîtier qui se place tout simplement du côté du rétroviseur, sur son pare-brise, sur le rétroviseur central. Il y a une caméra qui regarde devant la voiture, une caméra qui regarde le conducteur, et en fait la caméra va analyser en temps réel ce qui se passe devant la voiture, comme on le voit ici. C'est une démo, c'est pas quelque chose qu'on va voir dans sa voiture, mais ça montre comment la caméra reconnaît les voitures qui sont devant. D'accord. Ça reconnaît également les piétons. Et par exemple, si un piéton va s'engager sur un passage piéton devant soi, on l'a pas vu parce qu'on est en train de regarder son smartphone en même temps, la caméra intérieure va voir qu'on détourne son visage de la route et va commencer à prévenir le conducteur qu'il y a un danger imminent. Alors ça ne contrôle pas la voiture, Jérôme, c'est juste un boîtier qui se... Je m'extasie à nouveau. C'est juste un boîtier qui se met sur son rétroviseur, donc ça ne contrôle pas la voiture. Mais du coup, on est prévenu. C'est-à-dire qu'on va tout de suite voir qu'il y a un danger imminent, une voiture qui pile devant soi, et on peut réagir soi-même. Donc c'est pour rendre un petit peu plus intelligente et un peu plus connectée une voiture qui est dépendante. C'est ça, on peut mettre ça dans sa vieille Twingo d'il y a 10 ans, ça fonctionnera sans problème. Et ça aussi, ça va être disponible dans l'année. Fuego, toi. Alors voilà, peut-être que sur la Fuego, justement, je trouve que le contraste vintage entre la Fuego et ce petit boîtier peut être intéressant. C'était fait pour les Fuego exprès. Hein, je me mets une platine vinyle Sony à côté. Exactement. Attends. Et c'est le bonheur. Tu te rappelles les grosses cartouches qu'on mettait dans les autoradios quand on était tout petit? Ces gros trucs là, on écoutait la musique. C'est vrai. Air, Sweet and Fire, enfin tout ça. Oh my god. Ça ne nous rajeunit pas les amis. Enfin, peut-être que même vous qui nous regardez, ça vous ne comprenez vous même pas tout de ce dont on parle. Mais enfin, c'est pas grave.
Jean-Sébastien Zanqui, c'est terminé ? C'est terminé. Rien, encore pas un nom, pas de petits trucs. Non, c'était les quatre choses que j'ai vues hier. Et Jean-Sébastien Zanqui va bientôt repartir sur Paris. Eh oui, tout à l'heure. Donc, bon voyage. Merci beaucoup. Bon courage à vous pour demain. On se retrouve à Paris. Demain encore. Merci Jean-Sébastien. Merci encore. Et sachez qu'on sera de retour demain pour le dernier live ici depuis le Suez de Las Vegas. Oui, et qui sera un live spécial start-up. On invitera et nous recevrons exclusivement, essentiellement, des petits jeunes qui viendront pitcher très brièvement, nous montrer tous leurs produits parce qu'il y a des choses incroyables en quantité industrielle. Enfin, ce n'est pas encore industriel, mais il y en a beaucoup. On va même jusqu'au pommeau de douche connecté. Ouais. On a vu ça juste à l'étage du dessous dans le stand Eureka. C'est incroyable. Merci beaucoup Jean-Sébastien. À très vite à Paris. Fred Potter. Bonjour. Bonjour Fred Potter. Est-ce qu'on a besoin de présenter Fred Potter? Je ne sais pas. Il y a le CES et Netatmo, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis les autres après derrière. Il y a quelques acteurs historiques, c'est vrai qu'hier nous recevions Henri Sédou de Parotte, voilà, ça fait partie. Ah, il a un peu plus d'ancienneté que moi, ça fait 13 ans qu'il vient, ou 14. Moi ça fait moins, mais. Ouais, alors, mais avec une belle progression, Netatmo, en préambule, c'est une vraie réussite aujourd'hui. Oui, Netatmo marche très bien. On a une roadmap. Le roadmap, c'est de doubler de taille chaque année. Donc tout en maintenant une exploitation profitable, c'est-à-dire sans perdre d'argent, parce que c'est facile de grandir en mangeant l'argent des actionnaires. Donc 2013, 2014, 2015, on a réussi, donc c'est bien. Voilà, juste ce matin, j'ai eu les chiffres 2015 de Netatmo et j'en suis très content. Voilà, vous savez très bien qu'on a une tradition de ne pas les communiquer, donc je vous épargne la question. Mmh. Et 2016, de nouveau, un objectif de doublement de taille de la société. Voilà. Avec le produit Star, qui est la station météo, hein, qui reste un peu le classique de Netatmo. Voilà, qui est un produit historique qu'on vend depuis le début de la société et aujourd'hui qui est complété par d'autres produits dans l'univers de la sécurité, dans l'univers du chauffage. Notre thermostat qui représente 2/3 des ventes des thermostats connectés en France, donc qui est très clairement leader du marché. On a eu... Vous mettez une petite claque à Nest au passage là. Paf. 68% de part de marché en France sur ce produit. Une très belle réussite aussi dans d'autres pays européens. Le thermostat, c'est un produit aujourd'hui qui est, en termes de revenus, qui est venu vraiment compléter ce qu'on faisait avec la station météo. Et les produits de sécurité qu'on a lancés cette année, puisqu'on a lancé en juin Welcome, notre caméra de sécurité intérieure, qui reconnaît le visage des gens, oui, et qui vous dit si vos enfants sont rentrés chez vous ou si on c'est en a un parlé inconnu. Sur 01 TV, bien sûr, oui. Et Présence, qu'on annonce là au CES, voilà, on lancera Présence. Dans quelques mois. Voici Présence. Et alors Présence, de quoi s'agit-il exactement, Fred Potter ? Donc Présence, c'est une caméra de sécurité extérieure qui vient se fixer en remplacement d'un projecteur ou d'un spot existant. Donc on a toujours le projecteur qui est présent et qui va s'allumer s'il y a quelqu'un qui passe. Et surtout donc une caméra qui a une capacité de détection des personnes, des voitures et des animaux. Donc c'est un peu la version externe de Welcome ? Oui, avec un usage un peu différent. Tout style d'animaux, pardon Fred Potter. Voilà, tout style d'animaux. Nos JRI par exemple, ça fonctionne. Le quoi, pas de problème. Attendez, on va voir, je vais les positionner vers eux pour voir ce qui se passe. Ah oui, ça détecte. Il est méchant. Ça marche. Je plaisante bien sûr. Donc l'idée c'est de savoir s'il y a quelqu'un qui rôde dans le jardin, vous allez recevoir une notification. Tandis que si c'est un animal ou le chat du voisin qui passe, vous n'allez pas en recevoir. Voilà. Ça s'adresse à qui, ce genre de produit ? Ça s'adresse à tous les gens qui veulent savoir ce qui se passe à l'extérieur de chez eux. Donc plutôt évidemment ceux des Français qui vivent en habitat individuel, puisque oui, ça n'a pas d'usage dans un appartement. Dans un appartement, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens en appartement. Ou alors il faut vraiment, vraiment avoir peur. Voilà. Ou alors il faut avoir une grande terrasse que l'on souhaite éclairer, sur laquelle on souhaite savoir ce qui se passe. Mais ça s'adresse principalement aux gens qui vivent en habitat individuel, qui veulent savoir ce qui se passe dans leur jardin, qui veulent savoir s'il y a quelqu'un qui vient se garer devant chez eux, puisque ça détecte aussi les voitures. Ça va détecter les véhicules, mais ça va nous donner quoi comme information ? Ça vous dit, donc aujourd'hui, avec la version logicielle avec laquelle le produit sera livré, ça vous dira, une voiture se gare devant chez toi. Peut-être, à l'avenir, plus tard, on réussira à dire... C'est la même voiture qui était venue voilà, il y a trois peut-être, jours. Peut-être, on y arrivera peut-être. Mais pour le moment, ça vous dit juste, une voiture, un piéton ou un animal. Bon. Et l'idée aussi, c'est de percevoir des notifications quand, par exemple, les caméras de sécurité extérieure vous envoient des notifications quand il y a du mouvement. Ce n'est pas très intéressant, quand il y a un arbre qui bouge sous l'effet du vent, de recevoir toutes les deux minutes une notification. Ce produit permet de l'éviter. Ça ne pourrait pas reconnaître les personnes comme la caméra Welcome ? Alors, en fait, hélas non, puisque les gens, en général, sont trop loin de l'objectif pour être reconnus par une caméra extérieure, puisque ça porte jusqu'à 20 mètres.
Donc on va voir des gens, on va voir leur silhouette bien avant que de voir leur visage. Puis ça pose peut-être aussi des problèmes de vie privée, non? Parce que si moi je mets ça dehors, que ça filme la rue... Est-ce que j'ai le droit d'installer ça sur la... Je peux par exemple filmer une rue? Alors il y a deux choses. Il y a une fonctionnalité dans la caméra qui s'appelle Smart Zone, qui permet de définir des zones et d'exclure la reconnaissance ou la détection de ces zones. Voilà, la réglementation, ça dépend des pays. En France, vous n'avez pas le droit de filmer l'espace public, donc il faut que la caméra filme votre jardin ou votre propriété. D'accord. Ça sort quand et à quel prix, Fred Potter? Moins de 300 euros, fin du deuxième trimestre, début du troisième. D'accord. Donc on se reverra pour la version, on va dire, finalisée. Voilà, on espère que vous ferez un essai. Bah, alors... Jérôme a un château, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas ça parce que le fisc nous regarde. En plus de ma voiture bourrée d'écran. Non, mais c'est vrai qu'on est dans un appartement, donc ça va être compliqué. Il faudra que vous nous louiez une grande villa. Par exemple, Fred Potter, ça vous... Ou vous l'emmenez en vacances. Plutôt dans le sud, au bord de l'eau. Voilà. Et là, on peut tester, sans aucun problème. Mais pardon, quand ça n'existait pas, ce genre de produit? Parce qu'il a fallu que des petits Français, comme Netatmo, aient l'idée de créer ça. Alors aujourd'hui, sur le marché des caméras extérieures, on trouve deux choses. On trouve des produits qui ressemblent à des caméras, qui sont très compliqués à installer parce que finalement on ne sait pas où prendre le courant pour les mettre. Et on trouve des produits qui n'ont aucune intelligence, qui disent juste mouvement détecté. Nous, on a résolu clairement les deux problématiques. D'abord la facilité d'installation, puisqu'il suffit de démonter un projecteur extérieur ou un luminaire extérieur et de le remplacer par la caméra. Et évidemment, on récupère grâce au projecteur inclus à la caméra l'éclairage dans son jardin. On n'a qu'à faire rentrer le 220 volts dedans. Le raccord à Internet se fait par le Wi-Fi de la maison. Et deuxièmement... Mais encore faut-il que ça capte le Wi-Fi de la box. Si ça capte pas trop loin, on met un répéteur Wi-Fi. On commence à avoir l'habitude. Hein. Maintenant, on a de plus en plus de produits dans la maison. Quand on n'a pas la couverture Wi-Fi, on met un répéteur. Et la deuxième fonctionnalité, c'est la détection intelligente qui permet réellement de savoir ce qui se passe. Alors, juste une chose. Ça, c'est... On se rend compte que malgré tout, vous vous tournez de plus en plus vers la surveillance, que ce soit à la maison, avec Welcome, avec cet appareil. Est-ce que c'est véritablement une nouvelle stratégie chez Netatmo? Alors, non, chez Netatmo, nous, c'est très clair, on fait des produits pour la maison connectée. Dans la maison connectée, il y a 7 sous-catégories. Il y a le chauffage, on a notre thermostat, c'est un axe stratégique. Il y aura des nouveautés cette année autour du chauffage hein, pour couvrir d'autres cas d'installation qu'on ne couvre pas encore. Il y a la surveillance, la sécurité avec deux produits et des accessoires qu'on annonce. Il y a la mesure de l'environnement avec la station météo. On vient de livrer un anémomètre à ultrasons en accessoires. On a vocation à aller dans d'autres sous-catégories du smart home. Donc voilà, je dirais que c'est un peu une coïncidence si on a sorti deux produits de sécurité coup sur coup. Mais la réalité, c'est qu'on est bien présent dans l'ensemble des segments du smart home. Et c'est la stratégie de l'entreprise. Comment ça va se passer l'avenir de l'objet connecté? On voit que... Voilà, on commence à voir, enfin moi, la dernière fois je comptais, j'ai 15 applications pour gérer mes objets connectés, on en a de plus en plus. Ça, c'est une vraie question. Hein. Comment ça va se passer? Il y a un moment où ça va exploser cette bulle des objets connectés, on ne va pas pouvoir avoir une application pour les systèmes Netatmo, une application pour le système X ou Y. Comment vous voyez l'avenir, Frédéric Potter? La réalité des objets connectés, c'est qu'en fait, il n'y a pas tant d'objets que ça qui gagnent à être connectés. Oui, mais dans peu... la maison, il y en a plein. Bien, le chauffage, la sécurité, la mesure de l'environnement, et puis d'autres... Est-ce que ça a un intérêt de connecter un grille-pain? Non. Est-ce que ça a un intérêt de connecter un frigo? On le sait, non. On peut aussi choisir de panacher les marques. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la réalité, c'est que le nombre de secteurs ou d'objets qu'on va réellement connecter et où on va sortir un petit peu du labo geek, du truc marrant... et qui vont réellement percoler dans le grand public... C'est-à-dire que pour vous, il y a les gadgets. Et il y a les choses vraiment utiles. Voilà. Et les gadgets, on va avoir 15 apps parce que c'est des gadgets et parce que c'est sympa, parce que c'est le but. Et personne ne va prendre le temps de les fusionner. Sur les vrais sujets, la santé, c'est un vrai sujet. La maison, c'est un vrai sujet. Voilà, il y a des initiatives de standardisation de plateforme. Nous, on appartient à plusieurs. Tous nos produits sont compatibles IFTTT. On a certains produits qui sont dans HomeKit. On a vocation à être dans d'autres plateformes demain. Voilà, au-delà du fait que évidemment tous nos produits interfonctionnent, je dirais, mais voilà, il ne faut pas croire que les arbres vont grimper jusqu'au ciel et qu'on va faire indéfiniment des boules connectées ou des gadgets en tout genre. Fred Potter, vous êtes un spécialiste de l'objet connecté.
J'imagine que vous êtes baladé dans l'Eureka Park. Est-ce qu'il y a un produit qui vous a tapé dans l'œil et vous vous êtes dit, zut, ce truc-là, j'aurais bien voulu l'inventer moi-même. Qu'est-ce que j'ai si dit c'est non, c'est non. Si, hein. si, toujours, toujours. Si on s'émerveille plus de ce que font les autres, c'est qu'on fait mal son travail. Qu'est-ce que j'ai vu impressionné par le réveil de Oli. Hein, je ne sais pas si vous les oui, avez oui. Ce réveil vu, tout rond avec mal, un écran. Ouais, pas mal. C'est vrai. Voilà, intéressant. Intéressant. Le réveil, c'est un sujet que j'ai beaucoup regardé. Voilà, et je pense qu'ils ont une approche, une approche intéressante. Il pourrait y avoir un jour. Non, mais ça peut avoir un sens d'avoir, par exemple, l'image de présence sur le réveil. Par, pour faut voir qu'il y ait assez de pixels. Hein. Faut qu'il y Comment assez, faut qu'il y ait assez de pixels ah, oui. pour qu'on puisse la voir. Donc, j'ai vu des Hongrois qui font une espèce de marmite connectée pour faire sa bière. Ça, je me suis dit que c'était quand même une super idée de cadeau. Comment on est passé à côté, donc, Jérôme. Si vous ne savez pas quoi m'offrir, sachez que j'aimerais, ça fait de nombreuses années. Une marmite à bière. Fabriquer ma propre bière. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système pour fabriquer sa propre bière. Exactement. Ça s'appelle une microbrewery. Aux États-Unis, il y en a pas mal. Et en fait, c'est assez compliqué de faire sa bière, parce que la cuisson et la fermentation sont compliquées, etc. Donc ça gagne à être connecté. Et là, on télécharge les recettes de bière et hop, on exactement, fait sa bière. Voilà, je trouve ça sympa. Mais c'est connecté, ce truc-là ? Il faut que ça soit connecté au smartphone pour pouvoir séquencer la cuisson et la préparation de la bière qui est très technique et qui doit être thermostatée à température constante sur de longues périodes, etc. Voilà, je viens de recevoir un SMS de Florian Beaufreton qui réalise cette émission, qui nous dit qu'il aimerait bien faire un reportage sur ce service. Ce qui ne m'étonne qu'à moitié. C'est un grand amateur et connaisseur de voilà, bière. Et toujours Sonos. Hein, ah tiens, on a une Sonos. Question. Ah, oui, Sonos, ah pour vous, Sonos, c'est un peu la référence. C'est la référence. Un jour, j'aimerais, si vous me demandiez qu'est-ce que vous voulez, quel est l'avenir que vous souhaitez pour Netatmo, c'est celui de Sonos. C'est-à-dire dans un univers qui est leur, qui est le son, hein, qui, pour la maison, qui n'est pas du tout notre univers, d'être la référence avec le meilleur produit, la meilleure gamme sur l'ensemble du marché, une boîte mondiale. C'est vraiment l'ambition de Netatmo sur les sujets qui sont les nôtres, c'est-à-dire le confort chez soi, hein, chauffage, sécurité, environnement, etc. Réussir à faire la même chose. C'est vrai qu'on adore Sonos, la nouvelle Play 5. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter. La toute nouvelle Play 5 de Sonos est incroyable. Voilà, tout est bien chez Sonos, ouais. La qualité du son, l'ergonomie des applications, c'est pas donné. L'interfonctionnement. C'est, pas c'est donné. Insupportablement cher. C'est, ouais. Mais bon, moi j'en ai acheté, je crois, 7 ou 8. C'est mieux que de Vialet. C'est mieux que de Vialet. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser deux Vialet, donc si deux Vialet veut m'offrir en remplacement de mes 8 Sonos, 8 fantômes, je suis preneur. Mes enfants sont contents. Merci beaucoup, Fred Potter, d'être passé par le studio de 01net TV. Merci. Merci de m'avoir accueilli, merci de l'intérêt que vous portez à ce qu'on fait. Et bonne fin de CES, puisque le CES se poursuit jusqu'à demain. Exactement. Et vous pouvez continuer à le vivre, bien entendu, sur 01nettv.com. François. Oui, Jérôme. Il y a un gros sujet. Ah oui. Cette année, ouais. C'est bien entendu la réalité virtuelle. Ah, je croyais que tu allais me sortir la marmite à bière. La marmite à bière est un gros sujet, je te confirme, c'est vrai. Mais la réalité virtuelle, c'est aussi très important parce qu'il y a eu quelques annonces. Alors, pas de nouveaux produits, pas véritablement de nouveaux produits, on les connaît, hein, les masques de réalité virtuelle, Oculus Rift, HTC Vive, oui. Le Gear VR de Samsung, le PlayStation VR pour brancher sur la PlayStation 4. Qui n'est pas encore sorti, hein, qui sort cette année. Hein. Voilà, donc ces produits-là... Alors si, le HTC Vive a progressé un petit peu, c'est-à-dire qu'il a été un petit peu amélioré, et une nouvelle version a été présentée ici, qui sera d'ailleurs la première à être réellement commercialisée. Et c'est-à-dire qu'ils ont intégré désormais plus d'images réelles à l'intérieur du virtuel, parce que le HTC Vive qu'on a essayé, rappelle-toi, on est totalement immergé, enfermé dans notre bulle, on est coupé du monde. Et puis c'est des images de synthèse la plupart du temps. Et ce sont des images de synthèse. Ça peut poser des petits problèmes. Bon, on peut ne serait-ce que se cogner contre les murs dans son salon, tirer sur les câbles, parce qu'il y a beaucoup de câbles. Et donc là, des petits problèmes de vomi, comme on dit. C'est ça des petits problèmes de vomi éventuellement, avec le programme roller coaster. Donc là, l'idée, c'est de faire apparaître le monde réel qui nous entoure, mais de manière discrète, en forme fil de fer, hein, comme on voit parfois dans les d'accord, jeux vidéo. Ouais. Donc les arêtes des murs, les arêtes des meubles, donc ça permet malgré tout d'avoir un ancrage dans la réalité. Exactement. C'est ça. Voilà. Hein. Bon, c'est la seule vraie amélioration. En revanche, la vraie info donnée ici au CES, eh bien, c'est le prix de l'Oculus Rift. Ah, qui sera ça, donc bien. Le premier masque de réalité virtuelle à être commercialisé. Il va arriver très bientôt. Et il sera commercialisé, alors attention les yeux, vous l'avez peut-être lu sur 01net.com, à $600, ce qui nous fait quand même 700€. On pourra l'acheter depuis la France, il faudra ajouter 40€ de frais de port. Comptez donc 740€. Mais alors vous vous dites, c'est génial, j'ai un masque Oculus et puis après je suis le roi du monde. Non,
parce que derrière, il faut le PC de la mort qui tue pour que ça fonctionne. Voilà, oui. Donc ce n'est qu'un périphérique d'un PC hyper puissant de gaming. Donc il faudra compter 1000 à 2000 euros voilà. Pour un. Donc c'est quand même encore un gros sou réservé aux plus fortunés. Ouais, hein. Mais c'est vrai que l'expérience Oculus Rift est assez impressionnante. Hein. Et puis alors c'est pas fini parce qu'on a vu ici au CES l'accessoire que vous achèterez forcément si vous êtes très fortuné et que vous avez déjà craqué pour le masque et pour le PC, c'est le reste, la combinaison. Et surtout, alors l'arceau, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais vous le voyez à l'image, c'est un système qui vous permet de jouer debout à des jeux, à des FPS, et notamment de marcher. Parce que incroyable. Vous avez des chaussures qui ont des espèces de petites roulettes qui permettent de glisser sur la base, et on peut ainsi avancer virtuellement dans le jeu, sans se casser la figure, parce qu'on est tenu au niveau de la taille, voilà les chaussures. Alors ça avait été présenté à l'E3 Los Angeles. Oui, ça avait été présenté à l'E3, effectivement. Il y a quelques mois, enfin en juin dernier. Tout à fait. Et ça c'est Virtuix, une société américaine qui fabrique ça. On avait même vu déjà les prémices au CES l'année dernière. Mais bon, évidemment, ça a été amélioré. Mais ça y est, amélioré. Ça sort, c'est commercialisé. Voilà, c'est dingue. Tu sais combien ça coûte? Non, tu me l'as dit, je ne sais plus. 700 euros. Voilà. 700 euros. Alors, tu veux que je te fasse l'addition? Oui, fais-moi l'addition parce que en plus je trouve que ça irait très bien dans mon salon, ce truc-là. Ça serait ravi, je sais pas si Florian peut nous remettre les images. Ta femme serait ravie. Voilà, c'est très discret. Absolument. Ah, voilà, c'est un truc très sympa. Ça passe bien. Hein. C'est très design. C'est magnifique. Donc si on fait l'addition, Jérôme, ça fait quoi? Ça nous fait 740 euros d'Oculus. Ça nous fait. La 1000... demoiselle, elle est à fond là. Hein. 2000 euros. Je sais pas on va si c'est demoiselle d'ailleurs. Si si, je crois bien. Pas sûr. Non. Florian, qui est un expert, me dit que non. Il dit que non. Voilà. Comme quoi on peut se faire piéger rapidement, sans s'en rendre compte. Hein. Oui, je pense qu'on s'en sera rendu compte assez rapidement quand même. Donc, l'addition. Allez, on va dire 2000 euros pour un PC puissant, 700 euros pour la plateforme Virtuix avec le socle, etc. Allez, je te rajoute 50 euros pour une arme, hein, il faut une arme virtuelle. Oui. Total, 3500 euros. Ah ouais, voilà. D'accord. Plus les jeux. Mais bon, après, on doit avoir une expérience de jeu qui doit être proprement incroyable. Ah bah, avec ce truc-là. C'est formidable. Après, on devient fou. Donc, voilà. Bon, si vous avez une salle de jeu de 150 mètres carrés, que vous êtes un peu riche, ça peut-être vous intéresser, les amis. Il n'y a pas de souci. Je vous rappelle aussi que nous, ça nous amuse, hein, la vidéo 360. Donc, on vous a fait une petite surprise sur la page YouTube de 01net TV. Voilà, il y a une petite vidéo 360 qui vous attend, qu'on a tournée avec la caméra Gyroptique, qui est une caméra française, ouais. Qui n'est pas encore sortie, mais on a eu la chance de pouvoir la tester. Et voilà. Bon, alors c'est pas parfait, mais c'est très amusant de voir une vidéo comme ça en 360. C'est pas parfait, il faut le reconnaître, il faut l'avouer, c'est-à-dire qu'on perd en qualité d'image. Hein. On perd visiblement en résolution. Mais en tout cas, c'est une vraie tendance parce qu'on a pu en voir plusieurs ici des caméras 360. On en croise même dans les allées, j'en ai vu là tout à l'heure en arrivant jusqu'ici sur le plateau, d'une marque totalement inconnue, donc fixée au bout d'une perche sur un sac à dos. Mmh. Et c'est peut-être la caméra de demain. Même. En plus, ça permet, ces caméras 360, de faire également de la vidéo classique. Enfin, pas toutes, mais certaines. Voilà, et on recevra d'ailleurs le jeune fondateur de Gyroptique demain. Et puis il y a un produit, François, qui intègre de la vidéo 360. Un produit insolite qui va arriver. C'est le smartphone. Oui, c'est le smartphone. Et là, on vous réserve aussi un petit reportage qu'on va bientôt mettre en ligne sur 01net TV. Un smartphone étonnant qui filme en vidéo 360. C'est Yeez, c'est la marque américaine Yeez qui s'apprête à sortir ce produit. Alors pour l'instant, c'est un prototype, mais on a pu le voir, le toucher. Et voilà, une petite vidéo vous attendra sur 01net TV dans les heures ou les jours qui viennent. Tiens, il y a un auditeur qui nous demande, est-ce qu'on a vu de l'HoloLens? Eh bien non, on n'a pas vu HoloLens, hein, le système de réalité virtuelle de Microsoft, qui se fait très silencieux. Peut-être qu'il est caché ici, chez Microsoft. Mais il y a des choses qui sont cachées comme ça. On suit ça de près. Mais bien sûr, il faut savoir qu'il y a des... Alors évidemment, nous, on nous montre voilà, ce qu'il y a dans les stands, mais il y a des black rooms, comme on dit. On en parlait, hein, je crois. C'était dans De quoi je mail. Eh bien voilà, il y a des salles secrètes. Des secret rooms qui sont réservées en fait à certains distributeurs, voilà, à certains industriels qui découvrent en avant-première des prototypes que nous, on n'a pas la chance de voir. Et alors, il y a notamment un prototype qu'on aurait bien aimé voir, et moi, je ne désespère pas, je vais retenter ma chance tout à l'heure. C'est l'écran souple de LG. LG a mis au point, ça y est, ça fait des années qu'on en parle, LG, Samsung aussi travaillaient là-dessus, un écran souple qui fait à peu près, d'après ce qu'on m'a dit, la taille d'une feuille de papier A4, et c'est un écran en papier couleur, quoi, en quelque chose. Voilà, et qu'on peut rouler, et ça c'est incroyable, parce que c'est peut-être les prémices de la télévision de demain,
qui serait, alors chez Samsung, on l'a compris tout à l'heure, ce serait de la télévision modulaire, permettant de faire un grand écran. Ben, chez LG, on s'oriente vers une télévision souple, comme un poster qu'on fixerait au mur et qu'on pourrait déplacer facilement d'une pièce à l'autre, le réajuster comme alors on ça, veut, c'est le rêve. Etc. Ça, c'est le rêve, on est d'accord. Voilà. Voilà pour ce troisième jour depuis le CES de Las Vegas sur 01net TV. Toujours sur le stand de La Poste, on remercie évidemment tout le staff de La Poste qui nous accueille avec énormément de gentillesse ici. C'est pas terminé, on sera là demain pour la dernière, Jérôme. Hein. Oui, spécial start-up, on vous l'a dit. Donc des tas de choses incroyables présentées par des start-up, notamment françaises. Vous savez qu'elles sont très nombreuses ici cette année, près de 200 start-up françaises. Et elles ont plein d'idées, alors qui sont à des stades plutôt moins avancés de développement. Oui. Et nous en recevrons quelques-unes pour qu'ils nous expliquent un petit peu sur quoi ils travaillent. Avec des idées parfois assez farfelues, vous verrez. Ouais. Donc, rendez-vous demain, demain samedi, à partir de 20h sur 01net TV pour encore une heure depuis le CES de Las Vegas en direct. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez laissé des petits messages sur Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et on se retrouve demain, Jérôme. Et c'était Florian Beaufreton et Jean-David Duarte qui s'occupaient de la réalisation technique de ce live. On se retrouve donc demain. Salut à tous, bonne soirée. Salut à tous.